transfuge du Zalgiris qui ne sera pas éligible avant janvier, avant la phase retour. La Virtus, troisième en favori et en forme face aux finalistes de l'an passé, l'Olympiakos en quête de rachat et d'une nouvelle dynamique. Voici pour l'état des lieux, place au terrain pour ce choc de la 15e journée. Et un peu en galère, Papa Nicolaou, dans ce mois de novembre, un peu comme la saison dernière d'ailleurs. Et là, il est servi, et très bien servi par Mousfal. Isaiah Cordinier face à Mousfal, il va falloir tirer très haut. Et le N1 d'Isaiah Cordinier, ce 3 points plus la faute. Pour arbitrer ce Virtus Olympiakos, Thomas Wolcup, la belle passe dans le dos pour Mousfal. C'est presque un move délié ce qu'a fait Mousfal en protégeant son ballon. Avec donc la 16e journée des jeudis et vendredis, on aura le temps évidemment de vous dérouler le programme. Sachez déjà que tous les matchs sont sur Squeak. Allez, Marco Bellinelli qui relance un peu. L'Italien, lui aussi important dans la victoire face à Victoria, les vétérans. Mousfal, Erfal a décollé. Et là, vous ne pouvez plus l'arrêter. Une fois que vous l'avez laissé passer, le panier seulement encaissé. Oh, attention, Isaiah Cordinier. Isaiah Cordinier bouillant en ce moment et il le prouve encore sur ce tir. Papa Nicolaou. La belle passe, celle-ci de Daniel Aquette. Un Cordinier en feu dans ce premier carton. Et la passe de Daniel Aquette. Allez, Peters. Il veut donner du rythme lui aussi. Et on va resservir Mousfal face à Isaiah Cordinier. La revanche de Mousfal face à Isaiah Cordinier. Mimine gauche. Pas de réussite. Et en transition, la voilà. La première réussite de loin pour l'Olympiakos dans cette rencontre. Paiola, la réponse d'Alessandro Paiola. En particulier, et on va voir si ces ajustements vont faire effet. Et là, l'Olympiakos qui continue de dérouler en attaque. Il n'a pas peur des dures batailles. Achille Polonara, il est allé avec le cœur là. Oh, la belle passe, magnifique passe de l'Arensakis qui réalise un festival en sortie de banc. Troussev. Kissik. Il laisse Petroussev jouer. Polonara en 1 contre 1. Les bonnes mains. Le très beau move de Philippe Petroussev. Soyeux. Dans ce deuxième carton et avant la mi-temps. Pour l'instant, avantage large aux finalistes. Même de 13 points. Daniel Aquette tout seul. À 3 points dans le corner. Et là, cette fois, il a Marco Bellinelli bien sorti. L'extra passe, il n'y avait pas assez de décalage. Il est court. Brasdekis. Rebond offensif, Petroussev. Et Brasdekis plus proche du cercle. Oh, le cross de Daniel Aquette contré par Philippe Petroussev. Quelle séquence! Surtout la défense. Oh, Mousfal sanctionné. Arrivé à retardement. Ah, ils sont forts. Ils sont très très forts. Et là, c'est Gaffredo Arena qui donne de la voix et qui applaudit ses joueurs. Qui sent la Virtus capable de revenir avec le momentum. Et ce dunk de Devante Kakok qui écrase le cercle. Désormais d'avance pour l'Olympiakos. World Cup avec le ballon.
Et intercepté. Oh, il récupère avec un peu de chance. Miloutinov, le bon service. Alec Peters en l'air. Pour la Virtus, Marco Bellinelli. Cengelia, Marco Bellinelli pour enflammer encore un peu plus ce match et tout le public polonais. Marco Bellinelli de loin. Williams Goss, Alec Peters pour se rattraper. Et Kostas Papanikolaou. Il n'y a quasiment rien eu à faire pour avoir ce rebond offensif et Azaya Kanan. Kanan. Très proche de Paiola, à deux doigts d'intercepter ce ballon. Marco Bellinelli en sortie d'écran, c'est trop facile pour lui ce genre de tir. Les bons décalages à servir dans les bons timings. Voilà comme ce tir d'Azaya Kanan tout seul. La deuxième réussite d'Azaya Kanan dans ce carton. Qui a joué l'intégralité pour l'instant de ce troisième carton. Et bien servi Miloutinov par Williams Goss. Ils auront fait le doron. Les finalistes de l'an dernier. Nigel Williams Goss, le petit flotteur. Parfaitement géré cette possession. Et début de ce quatrième quart-temps. Ballon Olympiakos. Williams Goss qui était passé ligne de fond et qui sert Mousfal. De débuter ce quatrième quart comme elle l'a fait lors du troisième carton. Oh, Brian Dunston! Brian Dunston qui éclate le cercle. Il est passé sous Mousfal. Petroussev est également sur le parquet. Brazdekis aussi. Et Brazdekis perd le ballon. Ognjen Dobrić, tout seul après l'interception, le cause to cause d'Ognjen Dobrić. Brazdekis, l'écran de Mousfal. Brazdekis, la bonne défense. Yffe Lundberg est derrière sanctionné. Et le geste au public. Oh, Retzakis, il avait arrêté son dribble. Et avec personne autour. Philippe Petroussev, la bonne passe pour Mousfal à la réception de ce caviar de l'Olympiakos. Revenir à une possession. Azaya Cordini, elle était compliquée cette passe. Bien sortie, Brian Dunston. À 3 points, ils sont revenus à une possession, ça y est. Il me semble. Et dans les moments importants en plus, 3 sur 4 à 3 points. L'un des seuls à trouver un peu d'adresse. Ça, c'est son tir à torniquer Cengelia. C'est du ping-pong dans ces dernières minutes. Il en reste 4 à jouer dans cette rencontre, ou du moins dans ce quatrième carton. Et Daniel Hackett qui fait se lever la Sega Fredo Arena. Cengelia qu'on retrouve encore avec Daniel Hackett. Il est passé Daniel Hackett, bien ressorti. Encore Ognjen Dobrić. C'est le héros inattendu de cette soirée. Ognjen Dobrić à 3 points. Fait passer la Virtus devant. Il va prendre l'écran de Brian Dunston. Daniel Hackett face à Thomas Walker. Daniel Hackett, plus 2 pour la Virtus. Et Luka Banky. Thomas Walker. Oh, Thomas Walker, faute offensive. Provoqué par qui? Par Daniel Hackett, évidemment. Ils avaient été derrière tout le match quasiment, les joueurs de la Virtus. Et ils ont un ballon pour gagner. Et le contre de Mousfal. Ballon récupéré par l'Olympiakos. Dernière possession. 3 secondes. L'arrêt de Sakis. C'est trop court. Pour Giannoulis, l'arrêt de Sakis. Écoutez cette salle. La Sega Fredo Arena qui explose. Le hold-up parfait de la Virtus.